Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il va être une vidéo spéciale journée routine avec ma jument et j'en profiterai pour vous parler un peu d'elle. Alors du coup ma jument c'est cette jument, je sais pas si vous voyez, la jument blanche qui est dans l'arbre avec Lucky. Du coup, j'ai apporté le licol et la longe pour la porter. Et je pense qu'aujourd'hui, on va faire du travail en cordelette. Alors, du coup, je vais rentrer dans le pré et je vais la prendre. Salut les copains, vous êtes mignons, vous êtes mignons. Oh, t'es tout doux, on dirait t'as toujours ton poil d'hiver, toi, avec toi. Toi aussi, t'es mignon. T'es trop mignon, moi, je sais. Wow, hop, hop. Alors du coup là on vient de sortir du pré avec Majesty. Je vais l'attacher pour la préparer, la panser, etc. T'es trop mignon. T'es trop mignon. T'es trop mignon. Vous voyez là les petits fils là, je sais pas si vous voyez bien, mais on voit des petits fils. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des petits fils qui dépassent. Alors voilà, peut-être je vous ferai une vidéo comment faire un hobby horse, parce que faut pas faire ça n'importe comment non plus. Alors du coup on n'est pas là pour parler ça. Je vais aller chercher mes brosses, je vais la panser, je vous montrerai pas tout ça parce que ça va être long, ça va être long. Alors du coup ma petite routine c'est que je la fais marcher un petit peu dans la carrière pour faire un peu réchauffer ses muscles, voilà. Ah, ensuite je vais monter dessus elle. Comme d'habitude on commence toujours la détente au bas. Elle est trop adorable. Elle est trop adorable, sérieusement. Juste là, il faut que je fasse attention qu'elle me désarçonne pas. Je veux pas qu'elle m'embarque. Voilà. Ça serait pas super, quoi. Parce que déjà, c'est la première fois que je filme sur son dos. Alors voilà, du coup, je fais attention. Je fais attention. Du coup je pense qu'on va vite partir au trot parce que déjà ça fait quand même longtemps qu'on n'est pas. Alors ouais c'est ça, je pense qu'on va y aller. Trotter. Wow. Ça va, elle arrive. Ok. Elle passe un peu ou pas, c'est pas grave. Je la laisse un peu passer ou pas. C'est parce que pourquoi je suis très longtemps en pâle comme ça. C'est parce que c'est une jument que quand on part au galop, elle a tendance à partir au grand galop, nous emporter avec elle. Et on peut plus trop faire de choses. Alors du coup c'est pour ça que. Voilà, que je fais ça comme ça, c'est pour la fatiguer un peu, c'est pour la fatiguer un peu avant de partir au galop, comme ça elle embarque pas trop les gens, et ça c'est un truc qu'il faut que je refasse avec elle, pour ça que je reste beaucoup au trot et au pas. Je pense qu'on va faire une petite pause, aller boire. Et après, je vous reviens tout de suite, quoi. Alors, du coup, elle a bu, elle est contente. Super. Maintenant, elle est bien. C'est bien rafraîchi, quoi. Alors, du coup, on va bientôt partir au galop. Parce que, du coup, on a fait du trot quand je vous filmais pas. Alors du coup, là, on va partir directement au galop.
qui va être peut-être un petit peu difficile avec cette jument. Oh, cocotte. Ah ouais. Ah tiens, on a deux cocottes. On a cocotte qui est la cocotte ma chatte qui nous regarde par la fenêtre. Et cocotte ma jument. Wow. Salut cocotte. Est-ce que tu vas bien? On dirait qu'elle veut sortir. Elle exagère cette jument. Allô? Alors du coup, comme je disais, on va bientôt partir au galop. Et ne me demandez pas pourquoi j'ai dit allô. C'est juste ma voisine. Oh, il y a un poulet là-bas. Alors on va se tasser parce que là, ma voisine, elle va sortir avec sa voiture. On va attendre. Elle va peut-être aller un petit peu plus loin. Parce que voilà, c'est une petite peureuse. Hein. Juste jusqu'au prix avec Lucky qui est tout seul. Heureusement, j'aurai bientôt un nouveau hobby horse. J'ai très très hâte, j'ai extrêmement hâte. Alors du coup c'est ça, on a fait quelques foulées de galop. Ça s'est vraiment très mal passé, c'est pour ça que je vous ai vraiment rien montré. Je me suis dit que c'était un petit peu trop dangereux de vous montrer parce que voilà, ma dame, la princesse, la queen, elle a, elle a décidé de. Elle a décidé de faire n'importe quoi. Et bah, du coup, elle a donné des coups de je sais pas comment on dit, mais des coups de jambes, de jambes arrière, de ses jambes arrière. Je ne sais pas comment dire, mais vous comprenez. Elle a fait un peu de n'importe quoi. Alors du coup, je n'ai pas filmé. Mais du coup, après, on fait toujours une petite balade dans la carrière ou pas, ou trop, et surtout pas au galop. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on va faire du galop. Ça ne va pas marcher parce que là je pense qu'elle était elle est trop restée au pré. Alors du coup ça fait que elle a eu trop d'énergie pour commencer la vidéo. Alors je pense que c'est pour ça que ça ne marchait pas du tout. Alors ah ben super, ça va super bien les escaliers avec elle. Et ensuite quand il s'agit d'aller au galop, ça va pas du tout. Non, il n'y a aucun, il n'y a rien à faire. Alors, on va faire, on va faire une volte pour repartir de l'autre bord. Parce que là, on va repartir par là-bas, au pré. Parce que, disons, je trouve que c'est beaucoup plus cosy, c'est beaucoup plus beau. Il y a plein de soleil dans cette partie de la carrière. Et en plus, il y a plein d'air, c'est magnifique, c'est trop beau. Et madame la queen, elle adore cet endroit. Même, je pense, je vais la laisser un peu brouter ici. Et on se retrouve quand je vais la porter dans le pré. Ah, les branches. Alors du coup, je vais la porter au pré. Je vais descendre de elle d'abord. Et je vais la porter au pré, ma petite cocotte, qui s'est vraiment pris n'importe quoi. C'était n'importe quoi, vraiment. Oh, sérieux. C'était rien du tout. J'ai rien compris de ce qui s'est passé. Alors, du coup, je vais détacher la longe. Wow, j'adore le mousqueton que j'ai mis pour ça. Je trouve que c'est trop beau. Alors, du coup, j'ai fait tout. J'ai détaché la longe. Je l'ai pansé. Mon Dieu, il y a tellement de bruit, ça me casse les oreilles. Je ne sais pas si les personnes peuvent ralentir sur cette route. Ça m'énerve. Oh, le vent a renversé votre
vos granulés, je vais vous leur remplir votre pot de granulés ou votre bol de granulés. Alors, je vais t'enlever ça. Allez, je suis capable. Ok, voilà. Tombe pas sur le pot, s'il te plaît. Je veux pas qu'elle tombe. Bon, elle salit pas facilement, c'est du tissu, ça salit pas trop durement. Ça peut tomber dans la terre, ça se salit pas trop, ça va. Et sinon, je n'ai pas précisé, mais ça m'énerve. C'est pas possible, pourquoi je peux pas tenir correctement. Alors, du coup, pour plus d'informations sur ma jument, déjà, Sarah, c'est une race andalou. Elle, je fais surtout du dressage, du saut d'obstacle avec cette jument. Elle a des très beaux yeux verrous. Je trouve trop beau. Elle a un œil bleu et un œil brun. C'est très très beau, je trouve. Et comme d'habitude, puisque je l'ai touchée, elle veut tomber. Et elle a des magnifiques pommelures, je trouve trop belle. Et si vous voyez bien, il y a du noir sur sa crinière que j'ai rajouté. Je trouve qu'elle est très très belle, je la trouve vraiment magnifique. Et j'adore le licol que j'ai fait pour elle, avec sa longe évidemment. Plus sa longe qui était complètement blanche. Je l'ai apportée à la buissonnière quelques jours, la longe, et elle est devenue, même pas quelques jours, juste un seul jour, et elle est devenue blanche brune, ouais, n'importe quoi. Du coup, à la prochaine fois, les amis, je sais pas quoi vous dire, à la prochaine fois, les amis.